Flight Shelby. Welcome to Flight 4638, serving Boston this afternoon. We're currently number 4 for takeoff. We'll be off the ramp pretty shortly. Charlie, please clear the cabin. For departure. Salut à tous, bienvenue pour cette suite du Tour de France. Donc on démarre à Cannes-Mandelieu, c'était le point où on s'était arrêté la semaine dernière. Et cette fois, on ira jusqu'à... Je viens de supprimer le mauvais truc. Jusqu'à Calvi, en Corse. Donc la suite n'est pas d'une complexité incroyable. On va essayer de travailler un peu sur l'envers du décor, sur le Diamond Aircraft. Parce que globalement, hein, on est là. Cannes. On sort en Sierra Alpha. On va continuer tout droit jusqu'à... X-Ray Charlie, je crois. C'est ça. Donc, il est un point de sortie de Saint-Tropez, donc ça va être notre point de repère, donc on va bien voir. Et après, on ira jusqu'à Calvi. Mais globalement, il n'y a rien d'incroyable. On va juste essayer de savoir la charts de Saint-Tropez pour voir. C'est un VOR en plus sans tromper. Un LFTZ, voilà, on va essayer de faire sa chart. LFTZ. La molle. La molle, la molle, la molle. Oui, mais encore. Non. Non. Non plus, parce qu'il m'a intéressé. Mec, t'as pas juste la carte VAC? Parce que le problème du SIA, c'est que je l'ai. Voilà. Alors, Sierra Alpha. Non, X-Ray Charlie, pardon. X-Ray Charlie. Sérieusement? Mec, bon bah tant pis, écoute, on va faire LFTZ, c'est pas grave. Alors, LFTZ, la molle. Ça c'est sur le site du SIA. Le seul truc avec le SIA, c'est trop bien, mais du coup, chaque fois qu'on ouvre un nouveau truc... Ah bah écoute, il serait Charlie, ça va être sympa, hein. Il n'y a rien qui indique ce que c'est. C'est juste des coordonnées GPS de toute façon, quoi. Donc ça sert à rien. Ok. C'est moche. Bon, bah c'est pas grave, on y va. Alors, Cannes-Mandelieu. Super, donc bah, ça va être tout droit, globalement. Oh, flûte, c'est pas celui-là que je voulais. Ah, je dég. On va faire cette chic-check. C'était pas le DA40. C'était bien un Diamond, mais c'était pas le DA40. Sélection l'avion. C'était celui-là là. Le DV20. Non, ça devait être celui-là. Donc la météo. La météo, la météo, la météo. On a
À 16, le 16 à 14 en Zoulou, donc à 16h UTC, puisque c'est l'été. Ah, ce valable 3 jours. Du coup, ça, 16, 15, 17, 15. Bon. On a un vent variable à 10 nœuds. Ça devient vers 16-18h. Ah, ok. Ça devient le 16 de... Hein? Ah, mais c'est un taf, putain, je comprenais rien. J'étais en train de devenir ouf. C'est normal qu'ils prédisent le reste. Ah, j'étais en train de me dire, là, ça va pas du tout. Ok. Donc, on a un vent à 9 nœuds 160 degrés. Voilà, c'est celui-là que je voulais. Donc... 9 nœuds, 160 degrés. Fait plutôt beau, hein? Pas trop de problèmes de temps. Et on a une carte. Donc le vent est à 160. Allez! Donc, le vent, il va pousser comme ça. Nous, on décolle face au vent. Donc, on décolle en piste 17. On peut vérifier si vous voulez. Mais d'abord, checklist. Alors, l'interrupteur général, c'est bon. Il est désactivé. Moteur, c'est bon. Le CU? Qu'est-ce que c'est le CU? Automatique. 22 carburants. C'est la première fois que je prends celui-là, hein, donc j'avoue que je connais pas du tout. 22 carburants de secours normal. Tous les équipements électriques, parce que ceux-là, logiquement, ils sont tous descendus. Oui, ça c'est bon. Levier de puissance. Ralenti. Interrupteur général électrique. Off. Activé. D'accord. Non. Ok. On. Quantité de carburant. Fuel quantity. Gallon par heure, ça c'est la conso. Tu m'as saoulé, c'est bon? Bah ouais, c'est moitié-moitié, ok. Interrupteur général électrique. Désactivé. Ok. Avant le démarrage du mode parc. J'imagine qu'il doit être. Qui est où? Relâcher serré. D'accord, ok. Cocher, manche de commande. Libre et correct. Volant du compensateur. Take-off. Ouais. Levier de puissance ralenti toujours. Interrupteur général, c'est toujours celui-là. Ah non, d'accord. Général, c'est les avionics. Désactiver le général électrique. Général électrique, général électrique. Bah, il va être là du coup. C'est ça. Activer. Bouton unleash, ça doit être celui-là. Voilà. Je suis au courant. Du moteur. Ça, c'était du coup la batterie. Les feux éclats, c'est le beacon. Ah, beacon, c'est Strom chez vous? Ok. Vérifier le ralenti. Bah oui, ça c'est toujours bon, j'ai pas bougé. Interrupteur général moteur activé.
Interrupteur général électrique, ça c'est celui-là. Ok. Il s'use bien. Ça, c'est le régime moteur, ok. Et ça, c'est l'essence. Oui, l'interrupteur général. Oui. L'équipement électrique. Part d'atterrissage tout à l'heure. On vérifie le volume ralenti, plus ou moins 20 tours, 890. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, est-ce qu'on a un VOR à régler? Oui, en vrai, non, même pas. T'as même pas de VOR à régler, y a rien. Y a que dalle. C'est de la pure. C'est du pur vol à vue sans rien avoir. Donc, on met les freins, on relâche et on coche l'élément. Ok, les avioniques, ça c'est bon. Bus. C'est l'essai du bus. On a essayé un bus. Cannes. À la limite, on va essayer de voir si on n'a pas un petit. C'est un 118.625 pour qu'il au moins il nous donne un transpondeur. 118.625. Ça c'est bon. C'est activé. Ah, c'était 121.605. Ah oui, c'est la tour. Bah oui, je suis bête. 121. Six cent cinq, 805, toujours pas. Bah du coup, c'est un départ vers le sud. Si tu me donnes pas la piste 17, je te frappe. C'est quoi cette piste 35? T'es sérieux? Mais le vent il souffle dans l'autre sens. Mais pourquoi? Attends, excuse-moi. On s'en fout de la réponse. Mais c'est pas ça. C'était ça, c'était 267. Bah non, c'était pas 267. Ah mais tu sers à rien vraiment, t'es nul. Allez hop, allez dégager, t'es nul. T'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Ok. Et bah pour la peine, vu que t'es nul, on y va sans t'écouter.
Allez. Mec, c'est plus un camion que t'as, wesh. C'est quoi ça? Allez là. C'est vrai, t'as besoin d'être poussé à 80%. On va réussir à décoller, hein, ça me fait peur. 80% juste pour démarrer. Je conduis. Hein. Alors, donc les volets sur tes coffres, ça c'est bon. Le compensateur, il est bien sur take-off aussi. La pression d'huile, elle est bien dans le verre. Levée de puissance, une fois qu'on a réglé les freins de parc. Frein de parc serré, puissance 90 à 100. Il faut être, disons, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Il se ralentit. Ok, transpondeur. Il ne m'a pas donné du clic. Transpondeur 7000. Et alors, mon poulet. Ok. Les phares. C'est quoi, tu préviens la cabine, tonton? Voilà, les phares. Et on peut y aller. Attendez, j'ai oublié d'enlever un truc, moi. Voilà, plus de réalisme. Personne en finale, personne en finale.
Chelou, non, d'avoir l'impression qu'il est comme ça. Allez. Bon, j'ai une ridicule déclinaison compas. Ok, est-ce que j'ai des trains qui se rentrent? Non. Oh monsieur, j'étais à l'autre, tout est KF, laisse-moi tranquille. Donc le premier point, c'est 302. Ah, c'était dans le mauvais sens. Bon, c'était l'inverse du 302. C'était la pointe sud de je sais plus quoi. Voilà, c'était la pointe sud de l'île de Saint-Honorat. Donc du coup, c'était pas 310, c'était l'inverse, hein, c'était 180 euros, 180 de moins. Donc il fallait suivre du coup un axe. Fallait que moi je sois rapidement à 2000 pieds et fallait suivre un axe. J'arrive pas à faire le calcul. Ce 300 moins 200, ça fait 100, 120. 120. Et l'autre, du coup, c'est 127. Hein. Voilà. Donc on peut réduire un peu la montée. Pas autant. J'ai dit on réduit la montée, j'ai pas dit on... Calme-toi. Détends-toi. Voilà. Donc on arrive sur la pointe sud. Et après c'est 127 tout droit. Voilà, on arrive sur le point Sierra Alpha. J'imagine que c'est ça, hein. J'imagine que l'île de Saint-Honorat, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. C'est parti. Donc, les phares d'atterrissage, on peut les enlever. Les taxis, on peut les enlever. Les positions, on peut les enlever. Quatre-vingt-dix pour cent de puissance. Ok, alors on y va. 127. Parce que si je commence à faire n'importe quoi, on va pas s'en sortir. Tout petit peu plus. Voilà. Prêt de monter autant.
Voilà, on est pas mal. Bon, bah top chrono, au fait. Un petit chrono là, si voilà. Item, ça fait déjà 22 minutes, contrôle. Moi, je suis censé voler en tout, en théorie, 48 minutes. Ça me paraît bizarre. Je vole pas depuis 22 minutes, franchement, c'est impossible. C'est impossible, je vole pas depuis 22 minutes. Ah, c'est 48, mais j'avais mis 120 nœuds. Or, on est plutôt à 100 nœuds, ou alors il faut qu'on baisse un peu. On est à 4000, donc il n'y a pas d'urgence à remonter. Pieds, c'est parfait, hein. Puisqu'on est en VFR, donc normalement en VFR, c'est. Je sais pas si en VFR, en vrai, on a le droit de traverser la Méditerranée. Parce que le principe de VFR, c'est qu'il faut voler à vue. Et le principe de la Méditerranée, c'est que tu vois rien, à part de l'eau. J'avoue que j'ai un vrai doute sur le fait de faire je crois qu'on va acheter le truc à Jean-Fils. Hein. Je pense, parce que sinon on s'ennuie un peu quoi. Change field, défaut, ça c'est quoi ça? Select waypoint. Ah, est-ce que je peux sélecter bah, comment je ferais? Non. Je fais comment pour le remplir? Je me suis jamais servi du Garim, Garmin. Ouais, bon.
pense qu'on voit la Terre là. Hein. Clairement, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Bah du coup moi ma carte TMC elle m'a dit c'était où la carte TMC qui m'a dit qu'il y avait un peu de cumulus. C'était où? Coucou, j'avais oublié de l'activer. Cumulus, 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 cumulus. Hein? Elle dit, il y en a quelques-uns. Bah, je veux bien, mais ils ont. Parce que là, clairement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Gros trou d'air. Là, tu me dis, ouais. Ça, c'est sur Rex. Waouh, peu de vent. Tu t'es arrêté? T'es sérieux comme garçon? Ah, je vais avoir du mal. Hein. Ah non, ok. 1h47. Hein? Mais c'est quoi ce temps? Ah, quand tu changes la météo, il pense que. Oh. Ah ouais, ça c'est embêtant. Quelle vie? 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 Quelle vie?
On est à peu près au niveau des montagnes hautes, hein, donc c'est bien par là. En tout cas, j'ai fait un truc. Il va pas. Clairement, je me suis amusé à faire ça là pour tester le fuel et tout, mais rien ne va. Il faut que je regarde toutes les données. Donc pour l'instant, je ne vous le mets pas à contribution parce que ça va pas. Les vents, c'est pas ouf. Donc, non, pour l'instant, ça va pas. Donc rien. Tout cas, il n'y a pas intérêt à avoir mauvais temps. C'est beau, mais c'est pas pratique. Ah, mes yeux! Alors, attention, la porte arrière doit être fermée et verrouillée avant de mettre le moteur en route. Oh, j'ai pas vérifié ça. Évacuation! En tout cas, on arrive bien en Corse. Et la pointe a l'air là, on a bien l'air d'arriver sur Calvi.
Alors, l'approche de Calvi. Étudions ça ensemble. Bah voilà, on vient de X-ray Charlie en plus, donc c'est bien. Il faut qu'on descende puisque du coup c'est 2000 pieds max. C'est pas 2000 pieds, non? Les papilles sont là, pour faire de la verticale terrain. Le point écho. Donc novembre whisky puis écho. En mer. Oh, bah, c'est bien comme point. Super les gars. En mer. Et écho la Puenta San Damiano. Et après on passera à 0,26. Donc juste avant le truc, on coupe sur l'ouest. Non pas 170, mais de l'autre côté. Pardon, pas 170, mais 70. Mais de l'autre côté. Donc aux 250. Sur l'ouest 250. On arrive à la pointe Santiago de Chili. On arrête de tourner à droite. Ah, d'ailleurs, il faut descendre puisqu'on avait dit 2000 pieds max. Nickel, on est bien. Perce 400 pieds la minute à peu près. On roule enfin à 120. Juste avant la Terre, ouest 150. Et après, une fois qu'on est à la pointe de Santiago. Donc 250 et 204. Je vais finir par perdre la Corse. Hein. Pourtant, c'est grand. Hein. Je vais finir par perdre la Corse à force d'être décalé par le vent. Vent qui, je tiens à le signaler, ne m'était pas indiqué aussi fort. Hein, puisque j'ai toujours pas regardé la bonne carte, puisque nous sommes à 6000 pieds. Et j'ai regardé celle à 2000. Puisqu'à 6000 pieds, il m'indique. Bon, mais par contre, si vraiment le vent, ça va pas. Hein. Parce que je suis poussé vers la droite. Alors là, le vent, il va vers la gauche. J'aimerais être poussé vers la gauche.
donne un cap de vent à 320. Lui. Je pense que c'est pas 320 ça mon frérot. Ça veut dire qu'il vient de là et il va vers là? Non, c'est il va vers la pointe. C'est pas il va vers là. C'est il vient du ou il va au? C'est il vient du? Quel que soit le truc, ça va pas. Tu vois, je suis pas poussé. Tu vois, là, il viendrait de face. Ou il va, ou il me pousse. Il a l'air de me pousser. Pour moi, parce que je vais plus vite que depuis tout à l'heure. Moi, c'est il va vers là. Voilà, il devrait me pousser vers la gauche. Voilà, il est en train d'aller au... au 60 à 10 nœuds. Et donc s'il vient du 60, ça colle. S'il vient du 60. Mais ça veut dire que s'il vient du 60, c'est à l'envers. C'est l'origine est là et ça suit le truc. C'est ça que j'ai du mal. Et il me pousse clairement. Hein, je sais pas. Je pense que je suis perdu, les gars. Je suis frustré parce que mon tableau il marche pas. Fini du 60. Dis-le. Il faut que je capte au 118. Ah bah c'est ça, alors il a raison. Alors. Donc ça vient bien du 60, donc c'est bien l'origine. Ok. Donc ça je saurais. Par contre, faudra que je revoie quand même pour les... pour l'essence. Le fuel.
J'ai pas un petit voir histoire de. J'ai ce bord là, BTA 114.15. Et à la limite, on va le flanquer à 90. Ce sera juste là, ce sera très bien. Pas 90, ce sera l'ouest. Donc c'est 280, 270. C'était quoi? Merde. Donc 270, et c'est 114.15, Bastia. Et on va le flanquer au 280. C'était pas 114.15 du coup, parce que tu captes un qui est derrière moi. 114.15. Que vraiment, genre, il est pas derrière moi. Je suis perdu, les gars. Ticket Ouest, c'est là. Oui, mais c'est normal, parce que c'est 90 en partant du. Oui, moi c'est l'Est. Voilà. Oui, logique. Ok. C'était où? C'était 280 en partant du Var. Et moi je partais pas du Var, je partais de mon avion. Pour aller vers le Var. Donc quand je vais flanquer. Voilà. Merci. Quand je vais le flanquer à 90, ce sera le moment de sortir. On va falloir descendre un peu plus vite maintenant. Parce que on arrive, et on n'est toujours pas à 2000 pieds. Et du coup, est-ce que j'ai de la montagne? C'est 2000 pieds au-dessus de ça, rassurement. Au-dessus des 1000 pieds, quand même. C'est pas difficile au niveau de la mer, hein. Je dis non, ça va être proche. Hein. Donc, du coup, oui, est-ce que c'est plutôt là ou plutôt dans à la montagne? Je pense que c'est à côté de la montagne. La montagne est juste à la droite, donc c'est ça. En fait, j'ai pas mal dévié quand même. La montagne a fait ça. Va falloir tenir, hein, mon ami, hein. Parce que c'est genre zéro là.
Tranquille, mon frère, low fuel, il reste la moitié du. Reste quasiment la moitié. Tu vois, tricheur, je suis revenu en arrière et... Et je suis fatigué. Il m'a épuisé ce vol. Là, il me dit ça fait 13h51 que je suis en vol. En fait, tu avances quand t'as envie, toi. On est en train de se rapprocher hein, du Var, on est en train de le flanquer tout doucement, tranquillement. Parce qu'il est là. Hein. Je pense que je le vois. Ah oui, bon, maintenant on va pouvoir le flanquer et du coup on partira à l'ouest au 250. Au 250?
Ah, au 70 alors? Putain, mais je comprends rien. La flèche, elle va vers là. Moi, je dois me diriger vers le 70. Putain, j'y arrive plus là. Je suis perdu. Ah, ok. Ah, d'accord. Ok. Et alors, du coup, une fois que j'arrive à ça, une fois que j'arrive à le flanquer complètement, est-ce que j'ai le point écho? Il leur ça à la Gorreria. Il rousse. Ouais, ça va pas faire beaucoup. Hein. Donc je reste dans l'axe, quoi. Je reste. Ouais, faut que je décale un petit peu. Là, je l'ai chopé. Donc 70. Je décale un petit peu. À noter la carte. Là, quoi. Soixante-dix et mon axe là. Ça. Donc il va être à 95. Donc, moi je reste au 70 et là il va être au 95. Voilà, globalement. Ok, et donc la pointe, est-ce que c'est cette pointe-là? Non, ça, cette pointe-là, ça va être ça, l'île Rousse, puisque la pointe était plus haute. La pointe était assez haute pour les brousses. Non, pas bon, c'est ça. Et nous, on allait là sur un petit renforcement. Donc, en gros, c'était globalement là. Hein. Point du bidule là. Ok, et donc une fois qu'on était là, on prenait un axe. Ou un axe 206. 206, ouais, ça colle. Ok. Ça va être même ça, la pointe, non? Ça ressemble vachement à une pointe. Ok, on passe vertical terrain. L'approche. Ok, donc c'est piste main droite, piste main gauche. Bon, on va la voir. Ah, il est là. Bah oui, mais large, mon frère, oh. T'es sérieux comme garçon? J'ai largement de quoi faire en essence. Pourquoi il y en a un qui est...
Alors, verticale des installations, on y arrive. Les papilles, il y en a un devant, il y en a un derrière. Pas les papilles, les... devant. Vous les avez enlevés, les gars? Faut pas les enlever, hein. Comment je fais pour me poser, moi? Ah, il y a. Ok. Le vent, il allait pas. Putain, je suis perdu du coup. J'ai mis trop de temps pour le trouver. On va faire un deuxième. Deuxième approche. Surveiller la vitesse, hein, ça gérerait pas. Voilà. Ok, donc c'était bien la piste 36. Je sais juste pas regarder puisque ici il y a bien écrit, hein, ici et ici. Donc la piste 36, allez, on arrête de jouer, on essaie de s'intégrer correctement. Est-ce qu'on vérifie? Allez, on vérifie. Proche. Calvi Sainte-Catherine. Tour. Atterrissage. C'est ça. Oh.
un mec aussi. Je l'ai vu, hein, mais... On va se cacher derrière les papilles. N'empêche, c'est ouf parce que donc... Ah, c'est ça, hein. En fait, le gars, il m'avait prévu, c'était bien fait, en fait. Hein. J'ai tellement pas l'habitude de l'écouter, en vrai, que je regarde même plus, mais... Bon. Ben voilà. Nous sommes à Calvi. Profitons de ce beau temps. C'est beau ça, hein? C'est pas mal. Bon, et eh ben sur ce, la famille.